Bonjour et bienvenue dans ce module d'introduction à l'économie de l'énergie du point de vue macroéconomique. Après avoir parcouru le matériel présenté dans ce module, vous devriez être capable de saisir et de comprendre les concepts clés de l'économie de l'énergie, de comprendre et d'être exposé à des résultats économétriques et des faits stylisés dans la littérature sur l'économie de l'énergie et d'avoir une idée. De base de la façon dont l'économie de l'énergie est modélisée dans un cadre de modèle d'équilibre général calculable. Voici le plan de ce module. Nous commencerons par énumérer les concepts, les principes et les statistiques de base de l'économie de l'énergie et les méthodes de comptabilité, nous aborderons l'économie de l'approvisionnement en énergie renouvelable, nous regarderons des résultats économétriques clés et des faits stylisés dans la littérature sur l'économie de l'énergie. Nous nous intéresserons également aux prévisions de base des variables macroéconomiques et énergétiques. Et enfin, nous nous intéresserons à la modélisation de l'énergie dans le cadre d'un MEGC. L'objectif principal de ce module est de présenter et d'exposer les étudiants à des sujets sur l'économie de l'énergie ainsi que la dynamique de l'offre et de la demande d'énergie ainsi que des caractéristiques particulières des marchés de l'énergie, de montrer comment l'économie de l'énergie est liée à l'économie dans son ensemble et au bien-être de la population, également de présenter les interactions énergie économie et les aspects politiques connexes. La capsule sur les politiques environnementales traite directement de l'environnement et des politiques d'atténuation du changement climatique. Les objectifs sont de fournir aux étudiants un ensemble d'outils pour aborder les questions de base en énergie et en économie, et d'être capables d'argumenter de manière nette et logique sur ces questions d'un point de vue économique. Cette section traite des concepts de base liés à l'économie de l'énergie, ainsi que de ses principes, ses statistiques et ses méthodes de comptabilité. L'économie de l'énergie est une partie de l'économie appliquée qui traite des problèmes fondamentaux de l'attribution des ressources énergétiques à l'aide de principes économiques, d'outils et de modèles. Elle implique à la fois des aspects microéconomiques de l'énergie, y compris la demande et l'offre, et des aspects macroéconomiques, comme la budgétisation et l'investissement dans des projets énergétiques. Les interactions entre économie de l'énergie et le cadre politique du secteur de l'énergie sont aussi des aspects importants de cette économie. L'économie de l'énergie étudie les complexités du secteur de l'énergie, notamment les différentes industries de nature hautement technique, nécessitant une certaine compréhension des processus sous-jacents pour une bonne compréhension des enjeux économiques. Chaque industrie du secteur a ses propres spécificités qui nécessitent une attention particulière. L'énergie est un ingrédient pour toute activité économique, sa disponibilité ou son absence affecte la société, et par conséquent il existe aussi de plus grandes préoccupations et influences sociétales affectant le secteur. Le secteur est influencé par des interactions à différents niveaux, Internationale, régionales, nationale et même locales, dont la plupart dépassent le cadre d'une discipline et son lien avec l'économie de l'environnement et les résultats connexes. Les analyses de projets énergétiques ont suscité des intérêts interdisciplinaires et les chercheurs de divers domaines ont laissé leurs impressions sur ce domaine. L'influence de l'ingénierie, de la recherche opérationnelle et d'autres systèmes d'aide à la décision dans des domaines de l'économie de l'énergie a été profonde. Les questions énergétiques sont analysées d'un point de vue économique depuis plus d'un siècle, mais l'économie de l'énergie ne s'est développée en tant que branche spécialisée que lors du premier choc pétrolier dans les années 70. L'augmentation spectaculaire des prix du pétrole en 73-74 a mis en évidence l'importance de l'énergie dans le développement économique des pays. Depuis lors, les chercheurs, les universitaires et même les décideurs politiques se sont vivement intéressés à l'étude des secteurs énergétiques et aujourd'hui, l'économie de l'énergie est devenue une branche reconnue à part entière. Comme toute branche de l'économie, L'économie de l'énergie s'intéresse à la question économique fondamentale de l'allocation des ressources dans l'économie. Ainsi, les préoccupations microéconomiques de l'offre et de la demande d'énergie et les préoccupations macroéconomiques de l'investissement, du financement et des liens économiques avec le reste de l'économie constituent une partie essentielle du sujet. En raison de différents défis, et de problèmes au sein de l'industrie de l'énergie, principalement liés à l'industrie pétrolière, le domaine de l'économie de l'énergie a changé au fil du temps. Cela a mis en évidence différents problèmes. Dans les années 70, l'accent était mis sur la compréhension de l'industrie énergétique, en particulier l'industrie pétrolière, la substitution énergétique et, dans une certaine mesure, sur les énergies renouvelables. Un autre sujet important pour cette décennie était la planification intégrée des systèmes énergétiques, particulièrement dans les pays en développement. La portée du domaine s'est élargie dans les années 80, les préoccupations environnementales liées à l'utilisation de l'énergie et au développement économique sont devenues une préoccupation majeure, et la dimension environnementale a dominé le débat politique. Cela a entraîné un changement majeur dans l'orientation des études énergétiques et la question des effets environnementaux locaux, régionaux et mondiaux de l'utilisation de l'énergie est devenue une partie intégrante de l'analyse. Dans les années 90, la libéralisation des marchés de l'énergie et la restructuration ont balayé le monde entier, bien que le changement climatique et d'autres problèmes environnementaux mondiaux et locaux se soient également poursuivis. Ces dernières années, l'accent s'est déplacé vers les prix élevés du pétrole, la rareté de l'énergie et le débat sur l'intervention de l'État par opposition à l'approvisionnement énergétique dirigé par le marché. Cette oscillation du pendule dans le débat politique est attribuée aux occupations concernant la sécurité d'approvisionnement. Voici quelques concepts de base. Les combustibles sont des substances brûlées comme source de chaleur ou d'électricité. L'énergie se définit comme la capacité d'effectuer un travail ou de produire de la chaleur. Le concept de produits énergétiques inclut à la fois les combustibles, la chaleur et l'électricité. Ils sont soit extraits, soit capturés directement à partir de ressources naturelles telles que le pétrole brut, la houille, le gaz naturel etc. Tous les produits énergétiques produits par des produits énergétiques primaires sont appelés produits énergétiques secondaires. Comme l'énergie peut être obtenue à partir de diverses sources, il est d'usage de les classer sous différentes catégories. Premièrement, nous avons les formes d'énergie primaire et secondaire. L'énergie primaire est utilisée pour désigner une source d'énergie qui est extraite d'un stock de ressources naturelles ou captée d'un flux de ressources et qui n'a subi aucune transformation ou conversion autre que la séparation et le nettoyage. Il s'agit par exemple du charbon, du pétrole brut ou encore du gaz naturel et des énergies solaires. L'énergie secondaire, quant à elle, fait référence à toute énergie obtenue à partir d'une source d'énergie primaire utilisant un processus de transformation ou de conversion. Ainsi, les produits pétroliers ou l'électricité sont des énergies secondaires car celles-ci nécessitent d'être raffinées ou des générateurs électriques pour les produire. Autre catégorie, nous avons les formes d'énergie renouvelable et non renouvelable. Si une énergie primaire est obtenue à partir d'un flux d'énergie constamment disponible, l'énergie est connue sous le nom d'énergie renouvelable. Par exemple, il s'agit de l'énergie solaire ou encore éolienne. Une source d'énergie non renouvelable est une source dont l'énergie primaire provient d'un stock limité de ressources. Le prélèvement d'une unité du stock laisse moins d'unités pour la consommation future. Il s'agit par exemple du charbon ou encore du pétrole brut qui provient d'un stock physique fini qui s'est transformé sous la croûte terrestre dans le passé géologique et par conséquent ce sont des énergies non renouvelables. Autre catégorie, nous avons les énergies commerciales et non commerciales. Les énergies commerciales sont celles qui sont négociées entièrement ou presque entièrement sur le marché et par conséquent qui exigent un prix de marché. Les exemples incluent le charbon, le pétrole, le gaz et l'électricité. En revanche, les énergies non commerciales sont celles qui ne passent pas par le marché et donc n'ont pas de prix de marché. Par exemple, les énergies collectées par les personnes pour leur propre usage. Mais lorsqu'une énergie non commerciale entre sur le marché, selon la définition que nous venons de voir, le combustible devient une forme commerciale d'énergie. Enfin, nous avons la distinction énergie conventionnelle et non conventionnelle. Les énergies conventionnelles sont celles qui sont obtenues grâce aux technologies couramment utilisées, alors que les énergies non conventionnelles sont celles obtenues à l'aide de technologies ou de sources nouvelles. Sur la base de ces catégories, il est possible de regrouper toutes les formes d'énergie en deux dimensions, renouvelables et non renouvelables. Dans le domaine de l'économie de l'énergie, il est important de comprendre les différentes unités de mesure pour les différents combustibles et sources d'énergie. Les combustibles sont mesurés à des fins commerciales et pour surveiller les processus qui les produisent ou qui les utilisent. Les unités de mesure employées au point de mesure sont celles qui sont les mieux adaptées à l'état physique du produit solide, liquide ou gazeux et qui nécessitent des instruments de mesure les plus simples. Ces unités sont appelées les unités naturelles du combustible. Des exemples typiques sont les unités de masse pour les combustibles solides, le kilogramme ou la tonne, et les unités de volume pour les liquides et les gaz, litres ou mètres cubes l'énergie électrique est mesurée selon une unité d'énergie comme le kilowatt. Les interactions liées à l'énergie sont souvent de nature multidimensionnelle. Les principales interactions sont liées au commerce de l'énergie. Lorsque les matières premières énergétiques sont négociées sur le marché, cela est principalement dû à des facteurs tels que les écarts entre l'offre et la demande et les différences de dotation naturelles, entre les différents pays. Les produits énergétiques tels que le gaz et l'électricité sont souvent échangés et déplacés à travers les frontières pour lisser l'offre et la demande. Également les influences institutionnelles internationales. Les institutions internationales, comme le FMI, la Banque mondiale ou encore les Nations unies, via différents traités, conventions et cadres juridiques, influence et régule le commerce dans le secteur de l'énergie. Enfin, nous avons les autres interactions. Le secteur de l'énergie est influencé par des interactions entre les pays impliquant différents gouvernements et entités gouvernementales. Les interactions multidimensionnelles au sein du secteur de l'énergie affectent les activités de toute l'économie. Le secteur de l'énergie utilise des intrants de d'autres secteurs, et il est également un intrant clé pour la plupart des secteurs. Ces interrelations influencent les demandes d'énergie, les possibilités de substitution entre l'énergie et d'autres ressources, l'offre d'énergie et d'autres biens et services, ainsi que les décisions d'investissement et les effets macroéconomiques d'un pays. Les influences au niveau macro du secteur de l'énergie sont déjà le niveau des activités économiques et son évolution dans le temps, l'interdépendance de l'énergie et d'autres activités économiques ainsi que les interactions entre les activités économiques, la structure de chaque activité et son évolution dans le temps, la composition technique et les caractéristiques des activités économiques et leur évolution dans le temps, l'arrangement institutionnel qui fournit l'environnement propice à l'épanouissement et à l'évolution de différentes activités, et enfin la macro-gestion de l'économie et son interaction avec l'arrangement institutionnel. En termes de statistiques, le diagramme de flux de produits représente le schéma général du flux d'un produit depuis sa première apparition jusqu'à son utilisation finale. Lorsqu'il est combiné avec des chiffres ou des statistiques réelles, il permet une comptabilisation complète des flux d'énergie provenant des sources d'approvisionnement d'origine via des processus de conversion en demande d'utilisation finale, tout en évitant le double comptage. En comptabilisant toutes les pertes de conversion, ce cadre fournit une comptabilité exhaustive pour détailler les sources et les utilisations de l'énergie. Celui-ci pourra être utilisé ultérieurement lors de la construction des bilans énergétiques. La production indigène est tout autre type d'extraction de produits énergétiques à partir de sources naturelles. Les produits énergétiques primaires sont extraits ou captés directement des sources naturelles, telles que le pétrole brut, la houille ou encore le gaz naturel. Les produits énergétiques secondaires comprennent les produits pétroliers raffinés les combustibles solides manufacturés par exemple le charbon de bois et les gaz, l'électricité et la chaleur, les biocarburants et tout autre produit fabriqué à partir de matières premières ou de ressources. Dans cette sous-section, nous décrivons différentes énergies l'électricité, le pétrole, le gaz naturel, les combustibles fossiles solides, le charbon, les énergies renouvelables, et les déchets. L'électricité est probablement le vecteur d'énergie le plus largement utilisé. Il est utilisé dans toutes sortes d'activités humaines, allant de la production industrielle à l'usage domestique, en passant par l'agriculture, le commerce, l'éclairage ou encore le chauffage. L'électricité est produite en tant qu'énergie primaire et secondaire. L'électricité primaire est obtenue à partir de sources naturelles telles que l'énergie hydraulique, éolienne, solaire, marémotrice ou holomotrice. L'électricité secondaire est produite à partir de la chaleur de la fission nucléaire des combustibles nucléaires, de la chaleur géothermique ou de la chaleur solaire thermique et en brûlant des combustibles primaires tels que le charbon, le gaz naturel, le pétrole, certaines énergies renouvelables ou encore des déchets. Une fois l'électricité produite, elle est distribuée aux consommateurs finaux via les réseaux de transport et de distribution nationaux ou internationaux. L'utilisation de plus en plus répandue de l'électricité se reflète dans les statistiques. La part de l'électricité dans la consommation finale mondiale totale est passée de 9,4% en 1973 à 19,3 en 2018, la plus forte augmentation parmi tous les combustibles. La transformation récente et constante du secteur de l'électricité, qui comprend la libéralisation des marchés de l'électricité et la réduction des effet de serre, a fait ressortir l'importance de disposer de données fiables sur la production, la capacité de production ainsi que sur la consommation d'électricité afin de gérer le développement futur et assurer la sécurité d'approvisionnement de la manière la plus efficace. L'électricité est produite en tant que produit primaire ou secondaire dans les centrales électriques. La quantité totale d'électricité produite est appelée la production brute d'électricité. Les centrales électriques consomment une partie de l'électricité pour leur propre usage. La production nette d'électricité est obtenue en déduisant ce montant de la production brute. Cette production nette est distribuée par les réseaux nationaux de transport et de distribution aux consommateurs finaux ou transformée en chaleur dans des chaudières électriques ou des pompes à chaleur, ou encore elle est stockée à l'aide de barrages à pompage. Elle peut également être exportée via des interconnexions internationales de transport vers d'autres pays lorsqu'il existe un surplus d'électricité ou être importé en cas de pénurie. Pendant le transport et la distribution, certaines pertes peuvent se produire qui sont causées par les caractéristiques physiques du réseau et du système de production d'électricité. Le gaz naturel comprend plusieurs gaz mais se compose principalement de méthane CH4. Il provient de réserves souterraines naturelles, souvent profondes, et n'est pas un produit chimiquement unique. Lorsqu'il est extrait d'un gisement de gaz, ou en association avec du pétrole brut, il comprend un mélange de gaz et de liquide. Ce n'est qu'après un processus de traitement qu'il devient l'un des gaz commercialisables parmi les mélanges d'origine. À ce stade, le gaz naturel est encore un mélange de gaz, mais la teneur en méthane prédomine, Typiquement supérieur à 85%. Pour faciliter le transport sur de longues distances, le gaz naturel peut être converti sous forme liquide en réduisant sa température à moins 160 degrés Celsius sous pression atmosphérique. Lorsque le gaz est liquéfié, il est appelé gaz naturel liquéfié ou GNL. La liquéfication du gaz ne change que l'état physique du gaz naturel, mais il reste principalement du méthane. Cet organigramme est simplifié afin de donner une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du gaz naturel. Production, commerce, stocks, secteurs énergétiques, transformation et consommation finale sont les principaux éléments à connaître pour avoir une vision globale sur les flux de gaz dans un pays. Le pétrole est un mélange complexe d'hydrocarbures liquides ainsi que de composés chimiques contenant de l'hydrogène et du carbone, qui se produit naturellement dans des réservoirs souterrains sous la roche sédimentaire. Défini au sens large, il comprend à la fois les produits primaires non raffinés et les produits secondaires qui sont raffinés. Le pétrole brut est le pétrole le plus important à partir duquel les produits pétroliers sont fabriqués mais plusieurs autres types de pétrole de base sont également utilisés pour fabriquer des produits pétroliers. Il existe une large gamme de produits pétroliers fabriqués à partir du pétrole brut. Beaucoup sont destinés à des fins spécifiques, par exemple l'essence à moteur ou le lubrifiant. D'autres sont destinés aux besoins généraux de chauffage, comme le gazole ou le fioul. Le pétrole est la plus grande marchandise échangée dans le monde, que ce soit par le biais du pétrole brut ou des produits raffinés. Par conséquent, il est essentiel de collecter des données aussi complètes et précises que possible sur tous les flux et produits pétroliers. Bien que l'offre de pétrole continue de croître en termes absolus, sa part dans l'approvisionnement énergétique mondial total a diminué, passant de plus de 45% au début des années 70 à moins de 40 ces dernières années. Production de produits primaires et secondaires, commerce, stock, secteur énergétique, transformation et consommation finale sont les principaux éléments à connaître pour avoir une vision globale des flux de pétrole dans un pays le flux de pétrole de la production à la consommation finale est complexe en raison de la variété des éléments de la chaîne le diagramme de flux présenté ici fournit une vue simplifiée de ce flux couvrant la fourniture d'un à la raffinerie la fourniture de produits finis à l'utilisateur final et les flux de produits pétrochimiques qui interagissent dans le processus les combustibles solides et les gaz manufacturés couvrent divers types de charbon et de produits dérivés du charbon. Le charbon primaire est un combustible fossile ayant généralement l'aspect physique d'une roche noire ou brune constituée de matière végétale carbonisée. Plus la teneur en carbone d'un charbon est élevée, plus son rang ou sa qualité sera élevée. Les combustibles dérivés comprennent à la fois les combustibles solides et les gaz produits lors du traitement du charbon et par la transformation du charbon. Ce tableau donne un découpage détaillé des produits primaires, des combustibles dérivés, des combustibles fossiles solides et des gaz manufacturés. L'énergie renouvelable est une énergie dérivée de processus naturels qui se renouvellent constamment. Il existe différentes formes d'énergie renouvelable dérivées directement ou indirectement du soleil ou de la chaleur générée au plus profond de la Terre. Ils comprennent l'énergie produite à partir de ressources solaires, éoliennes, de biomasse, géothermique, hydroélectrique et océanique, de biomasse solide, de biogaz et de biocarburants liquides. Les déchets sont un combustible constitué de nombreux matériaux provenant de déchets combustibles industriels, institutionnels, hospitaliers ou encore ménagers, tels que le caoutchouc, les plastiques, les huiles utilisées et d'autres produits similaires. Il est soit sous forme solide ou liquide, renouvelable ou non renouvelable, biodégradable ou non biodégradable. Les produits renouvelables et les déchets sont classés en trois groupes principaux. Premier groupe, les produits qui doivent être transformés en électricité pour être captés, tels que l'hydroélectrique ou le solaire photovoltaïque. Deuxième groupe, les produits qui sont fabriqués et peuvent ensuite être des intrants pour de multiples usages dans les secteurs de la transformation et de la consommation finale, comme la géothermie ou le solaire thermique. En raison de leur nature, ces produits ne peuvent pas être stockés dans un sens conventionnel et sont donc des produits pour lesquels aucune donnée de variation de stock ne peut être déclarée. Enfin, troisième groupe, les produits qui sont produits et utilisés à des fins multiples dans les secteurs de la transformation et de la consommation finale, tels que les déchets, le bois, le biogaz ou les carburants liquides, en raison de leur nature, ils peuvent être stockés dans un sens conventionnel et sont des produits pour lesquels des données de variation de stock peuvent être rapportées. À l'échelle mondiale, nous tirons la plus grande partie de notre énergie du pétrole, principalement utilisé pour produire des produits pétroliers suivi du charbon, du gaz, puis de l'énergie hydroélectrique, principalement utilisée pour produire de l'électricité. Le mix énergétique mondial reste dominé par les énergies fossiles malgré une forte croissance récente des énergies renouvelables. Les combustibles fossiles représentent encore plus de 80% de la consommation d'énergie. Regardons maintenant quelques statistiques énergétiques. Les statistiques énergétiques font référence à la collecte, la compilation, l'analyse et la diffusion de données sur les différents produits énergétiques tels que le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'électricité ou les sources d'énergie renouvelables. Les principales sources de statistiques énergétiques sont présentées ici. Certaines statistiques énergétiques intéressantes qui peuvent être analysées sont la consommation totale d'énergie dans le temps, la part de l'électricité en pourcentage de la consommation totale d'énergie, ainsi que la production internationale d'électricité nucléaire sur ces sujets nous reviendrons plus tard lorsque nous discuterons de festiliser sur l'économie de l'énergie un cadre de comptabilité de l'énergie permet une comptabilisation complète des flux d'énergie allant des sources d'approvisionnement via des processus de convention jusqu'aux demandes d'utilisation finale tout en évitant le double comptage. En comptabilisant toutes les pertes de conversion, ce cadre fournit une comptabilité exhaustive pour détailler les sources et les utilisations de l'énergie. Ce cadre est appliqué à chaque type de combustible ou d'énergie utilisée dans une économie et le compte de l'énergie est donc essentiellement une matrice où chaque type de combustible est considéré le long des colonnes. Les colonnes sont choisies en fonction de l'importance des produits énergétiques dans le pays considéré. Et chaque ligne capture le flux d'énergie. Les lignes sont organisées en trois blocs principaux pour indiquer l'approvisionnement en énergie, sa transformation et son utilisation finale. Les flux d'énergie dans le compte de l'énergie forment le bilan énergétique. Le bilan énergétique comporte trois éléments constitutifs, les informations sur l'offre, les détails de la conversion et les informations sur la demande. Les informations du côté de l'offre capturent l'offre nationale de produits énergétiques par le biais de la production, du commerce international et des variations de stock. La section conversion saisit également des informations sur l'énergie utilisée par les industries énergétiques et les pertes de transport et de distribution. La dernière section capture les flux d'énergie disponibles pour les consommateurs finaux. Les bilans énergétiques fournissent de nombreuses informations sur la situation énergétique d'un pays. Ils sont également des sources d'informations cohérentes qui pourraient être utilisées pour analyser l'offre et la demande d'un pays, ainsi que pour faire des comparaisons internationales. Selon l'AIEA, en 2005, divers ratios utiles peuvent être dérivés des bilans énergétiques d'un pays, notamment le mix d'approvisionnement énergétique, L'approvisionnement en énergie primaire étant issu de différents types d'énergie, il est important de connaître la contribution de chaque type et son évolution dans le temps. La part de chaque source d'énergie dans la consommation primaire caractérise le mix énergétique d'un pays. Cette part montre la diversité de la composition de l'offre, ou son absence de diversité, pour un pays. Également la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement. Lorsque le bilan énergétique couvre les énergies renouvelables, il pourrait être examiné pour voir le rôle des énergies alternatives dans le mix d'approvisionnement. Troisième ratio, l'efficacité de la production d'électricité. L'efficacité globale de la production d'électricité peut être déterminée à partir du ratio entre la production d'électricité et de l'apport d'énergie pour la production d'électricité. Là où les valeurs des intrants et de la production sont disponibles par type d'énergie, l'efficacité peut également être déterminée selon le type de combustible. Cet indicateur peut indiquer l'évolution de la conversion de l'électricité dans le pays et démontrer s'il y a eu une amélioration dans ce domaine important. Quatrième ratio le mix de production d'électricité. Le mix de production d'électricité d'un pays peut être obtenu à partir de la part de la production d'électricité par type de combustible. Plus la concentration de la technologie de production d'électricité est élevée, plus un pays est vulnérable en termes de risque d'approvisionnement. Enfin, cinquième et dernier ratio la consommation par habitant d'énergie primaire et d'énergie finale. Ces deux indicateurs sont fréquemment utilisés pour des comparaisons entre pays. Le ratio entre la consommation d'énergie primaire au final et la production d'un pays donne la consommation par habitant. En général, la consommation d'électricité par habitant est plus élevée dans les pays développés que dans les pays en développement, et cet indice est souvent utilisé comme une mesure approximative de la prospérité. De même, l'électricité par habitant pourrait être utilisée pour voir le niveau de consommation d'électricité ou de combustible d'un pays. Intéressons-nous maintenant à la demande énergétique et à l'efficacité énergétique. La demande énergétique représente tout type d'énergie utilisée pour satisfaire les besoins énergétiques individuels, pour la cuisine, le chauffage, les déplacements, ou comme les combustibles ou les intrants dans la production économique. L'analyse de la demande énergétique a été influencée par les chocs pétroliers, les problèmes de réchauffement climatique, les changements dans le fonctionnement du marché de l'énergie, la sécurité future des approvisionnements en carburant et les besoins d'expansion de grandes capacités, les améliorations technologiques, les développements des moyens informatiques et de communication, et enfin, des décisions politiques. Dans la littérature académique, nous trouvons de nombreuses approches pour la prévision de la demande énergétique. Certaines d'entre elles sont des approches relativement simples, faciles à utiliser et moins sophistiquées, tandis que d'autres emploient des méthodologies plus avancées. Les approches simples sont des indicateurs faciles à utiliser qui peuvent fournir des informations rapides. De telles techniques sont relativement moins courantes dans la littérature universitaire, bien que les praticiens s'y appuient souvent. Quatre de ces indicateurs simples sont présentés ici. La méthode basée sur les taux de croissance, la prévision de la demande basée sur l'élasticité, élasticité prix et élasticité revenu. Pour les prévisions, l'élasticité de la production ou l'élasticité du revenu est couramment utilisée. La variation de la demande d'énergie peut être estimée en supposant une variation en pourcentage de la production et de l'élasticité de la production. Normalement, l'élasticité est estimée à partir de données antérieures ou recueillies par jugement. La variation de la production est tirée des prévisions économiques ou des documents de planification. Troisième, indi Troisième indicateur le mode de consommation spécifique. La demande d'énergie est donnée par le produit de l'activité économique et de la consommation unitaire de l'activité. Enfin, l'intensité énergétique. Comme nous le verrons dans la prochaine diapositive, les mesures d'intensité énergétique sont facilement calculées à l'aide de la formule indiquée ici et souvent utilisée pour caractériser et comparer le profil de consommation énergétique d'un pays. Il s'agit de l'une des approches les plus couramment utilisées pour déterminer la demande d'énergie. L'intensité énergétique est décrite comme le rapport entre la consommation d'énergie et la production économique, donc EI égale E divisé par Q, où EI est l'intensité énergétique, E la demande d'énergie et Q la production et peut être interprété comme le besoin énergétique par unité de valeur économique construite. Cela peut être réorganisé pour prévoir la demande d'énergie E est égale à EI multiplié par Q. En utilisant les estimations de Q pour le futur et les hypothèses concernant l'intensité énergétique future, la demande énergétique future peut être estimée. L'efficacité énergétique est défini au sens large comme la production utile d'un processus divisée par le coût énergétique d'un processus. L'objectif des améliorations de l'efficacité énergétique est de réduire la demande d'énergie grâce à une meilleure utilisation dans les appareils consommateurs d'énergie. C'est un ratio utile à des fins de comparaison. On pense souvent que certains appareils d'utilisation finale sont efficaces et n'utilisent pas autant d'énergie alors qu'ils le sont, ce qui peut entraîner une mauvaise affectation, une demande plus élevée d'intrants et par conséquent des dédommages environnementaux. De telles mesures peuvent être également utilisées pour identifier de l'équipement défectueux ou défaillant qui entraîne des pertes d'énergie. En améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, la demande d'énergie pourrait être gérée en même temps que les avantages environnementaux. Regardons maintenant quelques résultats clés et festilisés. L'énergie et l'économie sont inextricablement liés. L'accès à l'énergie et la sécurité énergétique sont des déterminants clés de la croissance économique et du développement d'un pays. Lors de la conduite de recherches économétriques, la corrélation entre certaines variables économiques et énergétiques peut sembler claire, mais la causalité doit être soigneusement évaluée pour construire une théorie et des modèles économiques solides et produire une analyse à la fois crédible et utile pour les décideurs. Les changements structurels de l'offre et de la demande d'énergie, par exemple le passage des combustibles fossiles traditionnels à des sources plus propres, en particulier pour les transports et la production d'électricité, ont déjà commencé, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif à long terme de zéro émission d'ici 2050. Le processus de transition requis pour atteindre ce zéro émission d'ici 2050, combiné à une évaluation générale de l'accès à l'énergie dans le monde, met en évidence les soi-disant doubles problèmes de l'énergie mondiale. Tel que décrit dans Rosé 2020. Le problème énergétique mondial aujourd'hui peut être résumé de la manière suivante. Sans source d'énergie bon marché, sur et à faible émission de carbone à grande échelle, nous sommes coincés entre des alternatives d'émissions élevées de gaz à effet de serre et la pauvreté énergétique. Le premier problème énergétique est que ceux qui ont de faibles émissions de carbone n'ont pas accès à l'énergie. Dans ce graphique, nous traçons l'accès aux combustibles et technologies propres sur l'axe des Y par rapport au PIB par habitant sur l'axe des X. Nous voyons que les personnes dans des pays très pauvres ou de très faibles émissions. En moyenne, les habitants des États-Unis émettent plus de dioxyde de carbone en une semaine que les habitants de certains pays pauvres, comme l'Éthiopie, l'Ouganda ou le Malawi, n'en émettent. En une année entière. La raison pour laquelle les émissions des pays pauvres sont faibles est qu'ils n'ont pas accès à l'énergie et à la technologie moderne. Le problème énergétique de la moitié la plus pauvre du monde est la pauvreté énergétique. Le deuxième problème énergétique est que ceux qui ont accès à l'énergie produisent des émissions de gaz à effet de serre trop élevées. Dans ce graphique, nous traçons la part des personnes ayant accès à l'électricité sur l'axe des y par rapport au PIB par habitant sur l'axe des x. Nous voyons que ceux qui ont le plus besoin de réduire leurs émissions sont les individus extrêmement riches. L'accent mis sur les riches cependant peut donner l'impression que ce sont que les émissions des personnes extrêmement riches qui posent problème. Ce qui n'est pas assez clair dans le débat public, c'est que pour que l'approvisionnement énergétique mondial soit durable, les émissions de gaz à effet de serre de la majorité de la population mondiale sont actuellement trop élevées. Le problème est plus grand pour les extrêmement riches, mais il ne se limite pas à eux. L'objectif de l'accord de Paris est de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés. Au-dessus des niveaux pré-industriels et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Pour atteindre cet objectif, les émissions doivent baisser à zéro au cours des prochaines décennies. Dans les pays les plus riches, où peu souffrent de pauvreté énergétique, même les émissions des personnes les plus pauvres sont bien plus élevées. Les seuls pays dont les émissions sont proches de zéro sont ceux où la majorité souffre de précarité énergétique. Mais cela leur coûte cher, comme le montre ce graphique. Dans aucun pays pauvre, les gens n'ont un niveau de vie comparable à celui des habitants des pays riches. Les gens ont besoin d'avoir accès à l'énergie pour vivre correctement. Mais dans un monde où les combustibles fossiles sont la source d'énergie dominante, L'accès à l'énergie moderne signifie que les émissions de carbone sont trop élevées. La description la plus précise du deuxième problème énergétique mondial est donc la majorité de la population mondiale, c'est à dire tous ceux qui ne sont pas très pauvres, ont des émissions de gaz à effet de serre bien trop élevées pour être soutenables à terme. Alors que la transition vers une économie à plus faible émission de carbone a commencé dans de nombreux pays, nous constatons qu'en 2019, seulement 16% environ de l'énergie primaire mondiale provenait de sources à faible émission de carbone. Les sources à faible émission de carbone sont la consomme d'énergie nucléaire et des énergies renouvelables, qui comprennent l'hydroélectricité, l'éolienne, le solaire, la bioénergie, la géothermie. Ainsi que l'énergie en provenance des marées et des vagues. 11,4% provenaient des énergies renouvelables et 4,3% provenaient du nucléaire. L'hydroélectricité et le nucléaire représentent l'essentiel de notre énergie à basse émission de carbone. Ensemble, ils représentent 10,7%. L'éolienne n'en produit que 2,2% et le solaire 1,1%, mais ces deux sources. Slope rapidement. Malgré la production de plus en plus d'énergie à partir d'énergies renouvelables chaque année, le mix énergétique mondial est toujours dominé par le charbon, le pétrole et le gaz. Non seulement la majeure partie de notre énergie, 84%, provient de combustibles fossiles, mais nous continuons à en brûler davantage chaque année. Pour mener de bonnes recherches en économie de l'énergie, pour faire face aux problèmes du changement climatique et pour permettre une transition énergétique juste, telle qu'envisagée avec une évolution vers la zéro émission d'ici 2050, une bonne compréhension des systèmes de technologie énergétique, de la dynamique de l'offre et de la demande, ainsi que d'autres faits stylisés sont nécessaires. Comprendre la vue d'ensemble est crucial pour l'élaboration de politiques judicieuses, étant donné les processus de prise de décision souvent décalés, le temps de construction et les impacts socio-économiques et environnementaux à long terme liés à l'énergie. Dans un article paru en 2016, les auteurs tentent de déterminer quel lien robuste existe entre la consommation d'énergie et la croissance économique. La récente hausse dans l'adoption des énergies renouvelables en raison de la baisse des prix, du consensus international croissant sur la réduction des émissions de carbone et des retombées technologiques aura déjà un impact sur la façon dont nous considérons certains de ces faits stylisés. Le premier fait est qu'une relation stable existe entre la consommation d'énergie par habitant et le revenu au cours des quatre dernières décennies avec une élasticité de l'énergie par rapport aux revenus inférieure à 1. Cela implique que la consommation d'énergie par habitant augmente au fil du temps à mesure que les revenus augmentent. Pourtant, la consommation d'énergie par habitant varie considérablement d'un pays à l'autre malgré une réduction au fil du temps de la variabilité pour un niveau de revenu donné, et bien que le découplage soit évident dans certains pays en développement, cela n'a pas modifié la tendance générale. Cela implique également que l'intensité énergétique diminue avec le revenu et dans le temps en termes de moyenne mondiale. L'intensité énergétique diminue modérément avec l'augmentation du revenu avec une élasticité d'environ moins 0,3. Les résultats suggèrent que l'intensité énergétique diminue avec le temps simplement parce que les pays s'enrichissent plutôt qu'en raison d'une baisse dans le temps de la relation entre la consommation d'énergie et le revenu par habitant. Enfin, cela implique que le taux de croissance de l'intensité énergétique est négativement corrélé avec le taux de croissance du revenu. Aussi, en absence de croissance, l'intensité énergétique ne s'améliore pas. Deuxième festilisé, il y a convergence de l'intensité énergétique et du ratio énergie-capital dans le temps, à la fois sur la période récente et sur les deux derniers siècles. Les tests de convergence bêta inconditionnelle et conditionnelle sont très significatifs. Les tests de convergence sigma sont fortement affectés par les valeurs aberrantes avec des économies en déclin. En supprimant ces valeurs aberrantes, nous trouvons également une forte convergence sigma, et il en résulte que l'intensité énergétique et le ratio énergie-capital ont tendance à augmenter dans les pays moins énergivores. Troisième fait le ratio énergie-capital diminue avec le revenu et dans le temps, l'élasticité par rapport au revenu étant un peu plus négative, moins 0,4, que pour l'intensité énergétique qui est de moins 0,3. Cela suggère que l'amélioration de l'efficacité énergétique est principalement responsable de la baisse de l'intensité énergétique, mais qu'il existe aussi d'autres facteurs qui peuvent augmenter l'intensité énergétique pour des revenus élevés. Quatrième festiliser la part des coûts de l'énergie diminue au fil du temps si l'on se base sur des résultats pour la Suède, le Royaume Uni et les États-Unis. Si l'élasticité de substitution entre l'énergie et le capital-travail est inférieure à l'unité et que l'énergie utilisée pour travailler augmente avec le temps, alors la part des coûts diminuera. Il semble probable que cela caractérise le processus de croissance. Il semble en outre que les prix relatifs de l'énergie par rapport à la production suivent une trajectoire en forme de U inversée et que le prix de l'énergie par rapport au prix du travail diminue. Cinq derniers festilisés, la qualité de l'énergie augmente avec le revenu. En général, les facteurs énergétiques ne diminuent pas dans leur utilisation réelle lorsque leur part diminue au fur et à mesure de la transition énergétique. En raison du changement structurel des économies, l'importance relative du pétrole a diminué à tous les niveaux de revenus au cours des dernières décennies. Intéressons nous aux prévisions de base des variables macroéconomiques et énergétiques. La production d'électricité est l'une des plus importantes parties de la production énergétique dans les modèles de type MEGC et elle a reçu une attention considérable de la part des chercheurs en économie de l'énergie. Les prévisions de la composition de la production d'électricité au niveau des sous industries ont été particulièrement médiocres, la croissance des sources renouvelables a été continuellement sous-estimée, y compris par des institutions de premier plan telles que l'AIE. Les principales agences de prévision, y compris l'AIE, ont commencé à développer plusieurs scénarios ou trajectoires de prévisions énergétiques de référence pour permettre des projections plus flexibles et plus crédibles. Les prévisions macroéconomiques générales, souvent un facteur clé dans les prévisions énergétiques elles mêmes, sont également sujettes au piège d'essayer de projeter des variables dans un monde incertain, avec des changements de politique souvent importants et des chocs exogènes imprévus. Les MEGC sont rarement utilisés à des fins de prévision pure, par exemple pour établir une prévision de base, ils sont plutôt utilisés pour mesurer les effets ou l'écart provoqué par un changement de politique ou un autre choc exogène, par rapport à un statu quo. Les modélisateurs de MEGC s'appuient généralement sur des agences de prévision expertes pour établir des scénarios de référence plausibles. Deux numéros spéciaux récents de revues scientifiques se démarquent en termes d'orientation des économistes de l'énergie et des modélisateurs de MEGC vis-à-vis -vis des prévisions de base. Ces références sont présentées ici. Il existe bien sûr de nombreuses autres sources de discussion et d'explication des prévisions de base dans un contexte de MEGC, mais celles ci contiendront la plupart des références clés et de la réflexion actuelle dans le domaine. Enfin, regardons la modélisation de l'énergie dans un cadre MEGC. La modélisation de l'énergie et ses diverses interconnexions dans l'économie réelle se sont considérablement améliorées au cours des deux dernières décennies à mesure que le besoin de modélisation énergétique et environnementale s'est accru et que des données plus fiables sont devenues disponibles. Avec de nombreuses politiques visant à nous éloigner des combustibles fossiles qui ont été la source d'énergie dominante pendant plus de deux siècles, la structure théorique des modèles doit désormais tenir compte de la substitution intercombustible et d'une description plus détaillée du secteur énergétique et de ses interdépendances dans son ensemble. D'un point de vue technique, la méthode la plus courante de modélisation de l'énergie dans une fonction de production imbriquée est la spécification KLEM, mais les sous-imbrications au sein d'une spécification CES ou ACES sont également largement utilisées dans les MEGC. Un certain nombre de spécifications de MEGC standards ont récemment été adaptées ou modifiées pour tenir compte de la modélisation énergétique et environnementale. Le modèle MMRF de l'Australie introduit la substitution intercombustible dans la production d'électricité à l'aide de l'approche de la technologie Bundle et introduit une forme faible de substitution des intrants dans des secteurs autres que la production d'électricité pour imiter la substitution KLEM. Les modèles GTAPE et GYNE permettent la substitution capitale énergie et intercombustible et sont largement utilisés pour analyser la politique énergétique et climatique mondiale. Le modèle GTAPE Power modifie le modèle GTAPE classique en introduisant une substitution détaillée de l'énergie électrique et la mise en œuvre d'une spécification CES additive dans le secteur de l'énergie qui garantit la somme des intrants est égale aux outputs. Le modèle PEP1-T a également été récemment adapté pour la modélisation environnementale, mais manque encore de détails dans sa spécification énergétique. C'est à présent la fin de ce module. Nous espérons que vous avez apprécié cette introduction au domaine de l'économie de l'énergie. Vous pouvez consulter les lectures détaillées et la littérature afin d'acquérir une appréciation complète de la profondeur et de l'étendue de ce domaine. L'économie de l'énergie est un domaine d'étude relativement jeune mais en croissance rapide. Nous n'avons bien sûr qu'effleuré la surface et nous avons omis de nombreux détails techniques que vous devez maîtriser lors de la conduite de votre propre travail de données, de recherche et de modélisation.